Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final n'a pas tenu ses promesses puisque malgré une ouverture donc sur un gap haussier, eh bien le CAC 40 est revenu ici et a recassé la zone des 6319 points à la baisse pour au final clôturer en baisse à 6302.57, perdant ainsi 0,07% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc dans le sillage de Wall Street, eh bien les valeurs du CAC 40 sont parties à la baisse. Alors on a bien été aidé notamment par le secteur de l'automobile, hein, avec des grosses baisses notamment sur Renault, Stellantis et Michelin. Malgré tout, eh bien on reste sur une dynamique qui globalement reste haussière, hein, puisque nous n'avons pas cassé le plus bas significatif de la séance précédente, ni le petit gap ici qui restait ouvert partiellement. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration qui est très hésitante. On est très proche ici de la zone neutre sur les histogrammes du MACD, dans une évolution qui est tantôt haussière, hein, pour ce qui était de hier, et baissière pour aujourd'hui. On est neutre aussi sur le RSI qui a tenté une entrée dans sa zone de surachat, mais qui n'a pas clôturé dans cette zone. Les volumes sont pourtant supérieurs à la moyenne, ce qui n'est pas très bon, hein. C'est pas un très bon présage pour l'avenir, puisque sur cette bougie ici qui est plutôt qui ressemble de plus en plus à un gap d'affaiblissement, le fait d'avoir des volumes supérieurs nous indique qu'on pourra avoir une nouvelle dynamique baissière qui pourrait s'inscrire suite à l'inscription de cette bougie. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller demain. Et donc on a ici une première zone technique qui va être très intéressante à surveiller, c'est cette fameuse zone de gap, donc proche ici des 6284 points. On voit bien ici que cette zone sur toutes ces bougies a été résistance. On l'avait cassé sur gap hier et depuis elle est devenue support, elle l'a encore été aujourd'hui. Eh bien il faudra observer si demain ce sera toujours le cas, puisque si on a une cassure ici de cette zone, eh bien on pourrait avoir une phase de consolidation qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 6215 points. Tant que l'on reste sur des niveaux supérieurs à ces 6284 points, on ne peut pas exclure ici une poursuite du mouvement haussier. On a tout de même eu ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure, même si ce contact n'a pas eu lieu en direct, mais qui est consécutif à la clôture un peu plus basse qui a ramené la bande de Bollinger vers le plus haut de la bougie. Si on rebondit ici sur cette zone et que l'on repart à la hausse, une inscription d'un nouveau plus haut significatif supérieur à celui que nous avons eu aujourd'hui, à savoir les 6352 points, eh bien validera une possible poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone d'objectif qui se situe à 6421 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on avait une probabilité plutôt haussière pour aujourd'hui. Cette probabilité a été déjouée et du coup, on n'a pas assez d'occurrence pour évaluer une prochaine statistique pour les prochains jours. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.